Un acte de reconnaissance. L'honorable Yakubu Malekhosso rend hommage au gouvernement de Patrice Talon. L'homme apprécie à leur juste valeur les nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Même si au plan social, le panier de la ménagère est vide, il faut reconnaître qu'il a des avancées notables au plan politique et que des efforts se font en faveur de la croissance économique. La constitution d'une nation moderne peut exiger la destruction de certaines reliques du passé. Au-delà donc du vrai enjeu de l'opération de décapissement, il a déjà des signes annonciateurs d'une bonne gestion du volet humanitaire. La prouesse réalisée dans le domaine de l'administration territoriale avec l'installation du nouveau préfet restera une action éloquente et indéniable à l'actif de ce régime. Il convient de féliciter et d'encourager le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son efficacité dans la gestion des crises au niveau des régions, dont les exemples les plus illustratifs sont la réunification de l'Église protestante méthodique et la réconciliation des frères musulmans de Séméret. À l'occasion, la Fédération pour la paix universelle venue soutenir l'événement a désigné l'ancien député Yakubu Malekhosso comme ambassadeur de paix. Un geste qui témoigne des valeurs morales et éthiques dont l'homme a toujours fait preuve. La Fédération...